Bonjour tout le monde. Merci d'être là. Je ne vois pas tout le monde, mais c'est OK. Ça va être une séance un petit peu différente aujourd'hui parce qu'on est beaucoup. Donc, pas tout le monde va avoir la chance de parler, de répondre comme on fait d'habitude. Coucou Brianna. Alors, on a Brianna qui est en Italie avec sa petite. Ah, on a Sabina qui a suivi une des formations Aïwi Yoga Enfant qui est là avec son petit garçon Jules. Il y a Pierrick qui est aussi un animateur Chakra Yoga Kid avec sa petite. Qu'est-ce que je vois d'autre que je connais? Allez voir. J'essaie de voir tout le monde que je connais. Alexa, ben bonjour. Aiden et Ambre qui sont avec nous. Bonjour, hello. Nice to see you. Hello everybody. Hello, hello. Il y a plein de gens qui ont leur caméra cachée, mais c'est OK. Donc, les personnes qui ne veulent pas être en enregistrement, fermez bien vos vidéos. Comme ça, on ne vous verra pas. Et puis, les autres personnes qui ont les vidéos ouvertes, comme c'est enregistré, il y aura des rediffusions. Et comme ça, vous savez... Vous me dites que c'est OK. Si je vous vois, ça veut dire que c'est OK pour vous d'être enregistré et rediffusé. Donc, merci. Donc, super. On est presque au moment de commencer. Tatiana. Yes. Are we supposed to have our microphones on or off? It's better you have them off. And then if I call on you, then you can turn them on. Okay, thanks. C'est mieux d'avoir les micros coupés pour tout le monde, et sauf si je vous appelle ou vous levez la main et je vous donne le micro à ce moment-là, et comme ça on peut se parler. En tout cas, je suis heureuse de rencontrer la famille. Normalement, je travaille avec Eden et sa petite sœur tout seul, et aujourd'hui il y a la famille complète, donc ça fait vraiment plaisir de vous rencontrer tous ensemble. Et les enfants, je pense que ça va vous plaire. Vous allez pouvoir demander au papa et aux mamans de faire des pauses et de pratiquer avec vous et de répondre aux questions. Eux aussi, ils vont répondre. Donc, pendant que les personnes continuent de venir, je vais vous inviter à juste vous asseoir dans une position où vous êtes tranquille, bien, comme un arbre, un peu comme un arbre assis. Vous pouvez emmener de l'énergie dans vos mains, faire chauffer un petit peu, et on va faire un mantra. Dans le yoga, on commence souvent avec un mantra. Ce mantra, c'est Ong Namo Gurudev Namo. Donc, si vous ne connaissez pas le mantra, vous pouvez juste écouter, mettre vos mains près de votre cœur. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez même fermer les yeux. Et on va commencer le mantra. Grande inspiration. Ong Namo Gurudev. Une fois, on inspire. Om Namo Gurudev Namo. Dernière fois, on inspire. Om Namo Gurudev Namo. Pas encore. On ne va pas encore faire cette chanson. Il faudra tirer la carte du papillon. Je vais vous inviter quand même. Oui, on a Bernadette qui vient d'arriver. Bienvenue Bernadette. Bernadette est la créatrice de Happy Parents. Je vous montre son logo et ses cartes. Elle fait partie du jeu du Nouveau Monde. C'est vraiment... quelqu'un qui enseigne avec les enfants depuis qu'elle a l'âge de 10 ans. C'est une grande passion pour elle et c'est une fée sœur pour moi. C'est comme une sœur fée, je dirais. Et puis, elle a, pour les jeux qui sont un peu plus avancés que celui qu'on va faire aujourd'hui, il y a des cartes tout autour de l'apprentissage des enfants de la maternelle jusqu'en 5e, 6e, même 3e, je crois. Oui, 3e, c'est ça.
Donc, voilà. Bienvenue Bernadette, bienvenue tout le monde. On va commencer. Alors, je vais donner l'honneur à Eden, petit garçon qui vient avec moi toutes les semaines. C'est lui qui va tirer la première carte. Donc, Eden, si tu veux, tu peux enlever ton micro. Et je vais te demander en anglais, if you can tell me a color that you want to choose. Une couleur. Blue. Blue. Fantastique. OK. And in the blue, we're going to do the dolphin today. On va faire la pose du dauphin. Est-ce que tout le monde la voit? Hein, vous êtes invité à vous mettre en position comme une montagne, sauf que les avant-bras, ils vont toucher par terre. Donc, je la tiens là pour que tout le monde puisse bien la voir. Et on va compter en anglais jusqu'à 10 pendant que vous faites la pause. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Very good. Thank you. Merci beaucoup. Première pause. Est-ce que Ambre voudrait tirer la prochaine carte? Ambre, oui ou non? Comme ça avec les doigts. Yes or no? Yes? OK. D'ailleurs, avant que tu tires ta carte, ça me rappelle qu'on chante la petite chanson de bienvenue. Donc, on va la chanter en anglais et après, on va tous dire notre météo intérieur. Donc, si vous allez bien, vous allez faire comme ça. Si vous allez super bien, vous allez lever les bras très haut. Si vous allez comme ci, comme ça. Et si ça ne va pas, les doigts vers le bas. OK? On y va. Good afternoon, good afternoon, good afternoon to you and 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 me. Good afternoon, good afternoon, and how do you do? Yes, merveilleux, tout le monde va super bien. Oh, quelle joie. OK, alors, Ambre, which color would you like? Quelle couleur tu aimerais? Ouais. Laquelle, je n'ai pas entendu. Oui, Bélagie. Red, red, OK, red. OK, donc red, elle nous fait choisir une carte de langage. Alors, il y a marqué sur cette carte, langage Montessori ou Happy Parents. Mais comme je vois que les enfants sont plutôt jeunes aujourd'hui, on va faire une carte du langage Montessori. Donc, Ambre, tu vas me dire, est-ce que tu préfères chanter les sons des cartes en anglais ou en français aujourd'hui? Alors, je te montre les deux et tu peux choisir. Là, il y a celle en anglais avec la pomme et il y a celle en français avec l'ananas. Est-ce que tu les vois? La pomme, on va chanter en anglais, merci. OK. Donc, il y a une petite chanson qui commence qui dit « Est-ce que vous connaissez le son des lettres? Ils vous apprendront à lire. » On va la chanter en anglais. « Do you know these letter sounds? Do you know these letter sounds? They will help you learn to read. They will help you learn to read. » Apple, apple, a, a, a. Et vous répétez. Très bien. Baby, baby, p, p, p. Très bien. Je ne vous entends pas parce que ça ferait trop de bruit, mais je suis sûre que vous le faites parce que je vois vos lèvres bouger. Cookie, cookie, k. Encore deux. Dolly, dolly, de, de, de. Elbow, elbow, eh, eh, eh. Et elbow, c'est un coude. Vous pouvez répéter elbow?
Elbo, super. Merci Ambre. Alors, on va donner la parole à peut-être la petite Aline, si tu nous rappelles ton prénom. Pour le moment, elle est un petit peu intimidée. C'est elle est intimidée parce qu'il y a beaucoup d'enfants. D'accord, elle, non, on ne va pas le faire tout de suite. Alors, qui est-ce qui aimerait avoir la parole? Peut-être lever la main et on vous donne le micro et vous pouvez dire votre prénom. Alors, Mathilde, la petite de Mathilde. OK, allez, ouvre le micro. Bonjour, est-ce que tu peux nous dire ton prénom, s'il te plaît? Ou pas, ou. Leire. Leire? OK, merci. Alors, est-ce que tu peux me dire un numéro entre 1 et 5? 2. 2. OK. Faut que je trouve une carte qui a 2. Voilà, j'ai trouvé une carte qui a le numéro 2 et c'est l'arbre. Donc, c'est la position de yoga de l'arbre. Elle est un petit peu difficile et on va la faire d'abord sur une jambe et après sur l'autre jambe. Donc, ça, c'est vraiment pour tester notre équilibre. Donc, je vous invite à vous lever. Et on va lever un pied, on va le mettre sur le genou ou sur le haut de la cuisse. On va lever les bras si on peut et on va équilibrer et on va compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bravo. Et on va changer de jambe. Et là, on va compter en anglais cette fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Bravo. Très, très bien. Merci beaucoup. Et tu as un petit frère, on dirait. Est-ce que ton petit frère aimerait tirer une carte aussi? Oui? Non? OK. Donc, on va demander à Pierrick d'ouvrir son micro et de nous dire le nom de sa petite fille qui est assise à côté d'elle, de lui. Elia, bonjour. Bonjour Elia, bienvenue. Donc Pierrick est, comme je disais avant, notre premier homme animateur de Chakra Yoga Kids, je ne sais même plus le dire, je suis un peu nerveuse hein, d'être avec tellement de personnes aujourd'hui, ça fait vraiment plaisir. Donc, merci d'être là. Et avec plaisir. Est-ce que vous pouvez nous donner un numéro entre 1 et 8, s'il vous plaît? Tu donnes un numéro? 2. Ah, ben, tu vois, c'était la première carte qu'il y avait là. Alors, est-ce que tu vois à quoi ça ressemble, cette carte? On dirait une table. Hein, c'est la position de yoga qui est comme une table, sauf que c'est le crabe. Et donc, le crabe, c'est une table qui marche sur les côtés. Donc, ce n'est pas facile, mais je vous invite à essayer. Ou sinon, Elia peut choisir de dire un son dans le langage Montessori. Qu'est-ce que tu préférerais, Elia? Tu préfères faire la pose de yoga ou dire un son? Merci. Tu veux dire un son? OK, donc pour ceux qui veulent, vous pouvez faire la pose de yoga et pratiquer le crabe. Et pour ceux qui veulent pratiquer le son avec Elia, Elia, je vais choisir dans ce bol un animal. Je ne vais pas regarder, je vais les toucher et tu vas me dire stop à un moment, d'accord? Stop. Alors. L'animal que j'ai trouvé, c'est un petit singe. Tu le vois? Oui. Est-ce que tu peux me dire le premier son que tu entends dans le mot singe? Singe. Est-ce que tu entends le son singe? Le premier son, c'est quoi? Singe.
Tu entends le s? Qui est-ce qui avait entendu le s dans le mot singe? Vous pouvez lever la main. Bravo. Ok, super. Merci. Alors, qui est-ce qui aimerait tirer la prochaine carte? Vous pouvez lever la main. Oh, Iden, attends, parce que toi, tu en as déjà tiré une. Ah, elle est prête, la petite de Aline. Ok. Alors, merci. Est-ce que tu peux nous dire ton prénom d'abord? Oui. Non, on ne vous entend plus. Donc, montrez-moi avec les doigts un numéro entre 1 et 5. Et tu montres avec tes doigts. C'est mon numéro. Numéro 3. Est-ce que tu sais comment on dit 3 en anglais? Ou est-ce que quelqu'un sait? Oui? Tu peux le dire? 3. Yes. OK. Donc, numéro 3. On va chercher dans les émotions aujourd'hui. Et le numéro 3, dans les émotions, dans la carte des émotions, il nous demande « Partage quelque chose qui t'apporte de la joie et dis-nous pourquoi. » Alors, comme c'est difficile d'entendre, ce que je t'invite à faire, Aline, c'est l'écrire dans le chat et moi, je le répéterai fort. Et vous pouvez tous, entre vous, vous partager quelque chose qui vous donne de la joie et pourquoi. Donc, les parents répondent et les enfants répondent aussi. Vous pouvez tous le mettre dans le chat si vous voulez. Je partagerai un petit peu plus tard. Hein, vous marquez qu'est-ce qui vous donne de la joie, qu'est-ce qui vous donne le plus de joie et pourquoi. Alors, on a Bernadette qui a répondu « Être avec des personnes que j'aime. » « Caresser mon chat. » De Carole. Sabine, « Partager des moments en famille. » Zoé, « Voir les animaux. » Alors, c'était Zoé. Merci, Zoé. « Voir les animaux. » Est-ce que tu as un animal préféré, Zoé? J'en ai plusieurs. T'en as... Ah, ben là, je t'entends super bien maintenant. C'est chouette. T'en as plusieurs. Ben, c'est chouette. Alors, dis-moi tes trois préférés. Le dauphin, l'aigle et le chat. Le dauphin, l'aigle et le chat. Ben, c'est super. Tu as vu, le dauphin, on l'a déjà fait en yoga. Donc, c'était ton premier animal. Et parce que c'est toi qui as choisi, je vais vous inviter à faire l'aigle. C'est une autre position qui est assez difficile parce qu'il faut de l'équilibre. Il faut enrouler une jambe autour de l'autre jambe et il faut enrouler un bras autour de l'autre bras. Et on va compter jusqu'à 10 en le faisant. Donc, tout le monde peut essayer. On va enrouler, enroule. Et voilà, comme ça. Et ça, c'est la position de l'aigle. Et on va compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, very good. Et on change les bras et la jambe de côté et on fait de l'autre côté. Et on va compter en espagnol. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ok, bravo. Merci beaucoup. Alors, qui aimerait tirer la prochaine carte que je vois? Merci Zoé. Et je vais dire encore un petit peu pendant qu'on attend. Alors, on a eu plein de belles choses dans le chat. Partager des moments en nature, passer du temps en famille, les fleurs car elles sont belles, jouer avec une raquette et un ballon, Raphaël et Olivia, et chanter et danser, Olivia. Louise, quand je suis avec mes chats, Noël de Sarah. Et Pierrick, mais moi, je ne les vois plus. Alors, attends. C'est la colère. C'est vrai? Elia, elle a dit ça, c'est la colère qui te donne de la joie, Elia. Mais tu sais quoi? On va tirer la carte de la colère, on va la regarder. Et peut-être, vous pouvez aussi partager dans le chat, qu'est-ce qui vous met en colère? Hein, c'est la carte de la colère. Qu'est-ce qui vous met en colère?
Et qu'est-ce que vous pouvez faire pour libérer cette colère? Alors, il y a une idée. Qui est-ce qui peut me donner une idée qui sait comment libérer la colère? Quand on a une grosse colère, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elle s'en aille? Qui est-ce qui a une idée? Levez la main et je vous donnerai la parole. Eden, il a une idée. Alors, Eden d'abord et Jules après. D'abord Eden et après Jules. Vas-y, Eden. Eden, c'est ton tour? Tu veux pas dire? T'as changé d'avis? Ok. On va demander à Jules. Oui. Alors. On respire. Ah, on respire. Bravo. C'était Jules ou Eden qui nous a dit ça? C'est Jules qui l'a dit. Jules, bravo Jules. Et oui, on respire. Et d'ailleurs, on va pratiquer ça ensemble tout de suite. On va prendre trois grandes respirations ensemble au son du bol tibétain. Vous êtes prêts? Alors, on imagine qu'on est très, très en colère et oh, on est très en colère et on va prendre une grande respiration, on va remplir juste notre ventre complètement. Encore une fois. On peut même laisser sortir des sons. Pensez à ce qui nous met en colère et le laissez partir. Dernière fois. Qui est-ce qui a une autre idée de ce qu'on peut faire quand on est en colère pour la laisser partir, qui aimerait partager? Eden, vas-y. Le lion. Le lion, quelle bonne idée, Eden. On va faire le lion. On va montrer à tout le monde comment on fait le lion. Comme ça, ils auront une autre idée pour sortir leur colère. Très, très bonne idée. Notre lion. Et je vais vous montrer la carte du lion. Ah, il est là. OK. Donc, la carte du lion, elle est là. Voilà. On se met à genoux. On met les mains devant nous. On prend une grande inspiration avec le nez. On pense à ce qui nous met en colère. On tire la langue et on rugit comme un lion. Encore une fois. Dernière fois, pensez vraiment à ce qui vous met en colère et on libère. Fantastique. Merci, Eden. Est-ce que encore une chose qu'on peut penser qui nous libérerait d'une grosse colère? Il y a des gens qui disent à pratiquer l'EFT, c'est vrai, ça peut libérer la colère aussi. Respirer et compter jusqu'à 10. Rien ne met Raphaël en colère. Quelle chance. Il est content. Eden voulait faire le lien. Marcher de préférence dans la nature. Oui, marcher ou alors courir très, très vite. Des fois, ça fait sortir la colère aussi, si on peut courir très, très vite. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que je ne vois pas, que je n'ai pas dit avant l'EFT? Je ne vois plus. Un tour au jardin. Exactement. Connecté avec la nature. Il y a des petites fées dans la nature et elles nous aident à disparaître la colère. Ah, taper dans un coussin, ça c'est super fort aussi. On peut taper très très fort sur un coussin. Ça fait partir la colère aussi. Waouh, vous êtes vraiment fort, hein? Vous avez des bons outils pour libérer de la colère. Respirer des huiles essentielles. Ah oui, ça c'est top aussi. Et ça fait plein d'autres choses les huiles essentielles. On en parlera pendant la conférence. Comment on peut se servir des huiles essentielles pour jouer avec nos émotions, pour que ce soit de mieux en mieux. On a Maria qui est là avec nous, qui nous fait des grimaces. Est-ce qu'elle aimerait choisir une carte? Brianna, est-ce que Maria veut choisir une carte? Oh, I think she's talking to you, maybe. Yes, does she want to pick a card? Yeah. Yes, you want to pick a number? Yeah. A number from 1 to 8. Is any number between 1 and 8? 2. 2? Number 2, okay. Number 2. Very good.
I look for a two. It's the cobra snake. C'est le serpent. Est-ce que tout le monde voit le serpent? Alors, pour les Français, je vous invite à dire snake. C'est le nom serpent en anglais. And for the English-speaking people, I invite you to say serpent. Serpent et snake. Serpent. Serpent, bravo. So you can lay on your belly. Vous pouvez vous allonger sur votre ventre. Vous mettez les mains à côté de vos épaules. Vous allez vous pousser en inspirant par le nez. Et quand vous êtes tout en haut, vous faites le son du serpent. Donc on va le faire trois fois ensemble. Vous descendez. Vous inspirez avec le nez en montant. Et en haut, un peu plus haut. Yeah. Make your arms straight. Et une dernière fois, on pousse sur nos mains, on se lève juste le plus haut possible. Et les parents aussi, c'est bien. Très bien. Bravo, merci Brianna, merci Maria. Alors, quelle heure est-il? Pour moi, c'est presque fini. Alors, pour l'heure, pour les petits, c'est vrai que ça passe plus qu'une demi-heure, c'est trop long. Donc, j'aimerais vous montrer une carte des petits zèbres. Et qui est-ce qui aimerait tirer la carte des petits zèbres? Qui n'a pas encore tiré une carte? Je vois Opa Ogé. Hop, hop, tu vois tout en bas, rouge? Voilà, on va laisser tirer. Donc, moi, je vais mettre le doigt sur les cartes et tu me dis stop quand tu es prêt. Stop. OK. Donc, cette carte, est-ce que tu la vois bien? Oui. Tu peux me décrire ce que tu vois? Je vois un zèbre et derrière, il y a les nuages et le soleil qui se lève. D'accord, alors je vais rapprocher un tout petit peu plus la carte parce qu'il y a aussi un personnage. Est-ce que tu le vois? Oui, je vois. Hein? C'est une dame. C'est une dame. C'est une dame qui est devant ce magnifique zèbre et paysage. Ça te fait penser à quoi quand tu vois cette carte? Je ne sais pas. Est-ce que tu penses qu'elle a peur du zèbre? Qu'elle l'admire. Qu'elle l'admire, ah oui, parce qu'il est vraiment beau, hein? Est-ce que toi, si c'était toi, qu'est-ce que tu ferais devant ce zèbre? Je l'admirerais aussi. Tu l'admirerais aussi. Merci beaucoup. OK. Et... alors, je voulais quand même vous montrer le joker, parce que le joker, pour ceux qui ont reçu le jeu de cartes en téléchargement, quand vous commencez à jouer en famille, s'il y a une carte qui ne vous plaît pas, vous pouvez utiliser votre joker et tirer une carte d'un autre jeu. Voilà, je voulais vous le dire. Et puis, je dirais pour les petits-petits qui sont fatigués d'avoir passé beaucoup de temps ici, on va chanter la chanson d'au revoir. Et ceux qui veulent rester un peu plus longtemps, qui n'ont pas encore tiré une carte, peuvent rester. Ça vous va? On peut rester. Oui. Hein, si vous voulez rester, vous pouvez rester. Donc, on va quand même dire au revoir pour les tout petits, que ça fait long pour eux d'être voilà, dans un endroit à faire quelque chose. Donc, on va la chanter en anglais. Good night. Good night, good night to you and you and you and you and you and you and me. Good night and see you next time.